Cette année 2023, je suis partie 3 mois à Kinshasa et comment vous dire à quel point je me suis sentie bien. J'ai réellement commencé à me sentir chez moi. J'ai fait bien plus que les années précédentes car j'ai travaillé, j'ai découvert de nouveaux endroits, j'ai passé beaucoup plus de temps en famille et j'ai rencontré de nouvelles personnes avec qui je me suis vraiment bien entendue. Et j'ai juste envie de dire, Kin la belle. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Kinshasa. Kinshasa. Il est un peu trop tard pour se faire un gros plat, je suis fatiguée. Donc je me suis fait un petit plat crevette à l'ail au pili-pili, les petits poissons frits avec un bon doré, voilà. Merci. T'es même en épile, wesh. Il est en train de frire. Le riz est resté coincé. Oui, et j'avais du piment du coup. Et du coup, le riz est resté genre 5 minutes, ça a eu le temps de le brûler. Il faut porter la vallée aujourd'hui. Comme ça. 1, 2, 3. Oh, tu vois, regardez, c'est les nids que les oiseaux ils ont construits. C'est trop stylé. C'est trop trop bien fait, je suis choquée. On y va. Aujourd'hui, activité tyrolienne avec la dada. La dada. Avec Lauria, Taline, Matteo, Cecilia. J'essaie de faire bouger le pont. Faites des choses comme ça. Mais vous êtes... Allez, là on se calme. Ah ouais. Les dernières Bravo les dernières. My god. Oh. On se soit tous, on est tous calmes. Regardez comment je suis. Je sais pas si on voit comment c'est mouillé. Non mais on voit chez moi. Bumble on the moon.
Quelqu'un qui voulait. Bon voilà, petit shooting en mode ghetto. Oui hein. T'es prête? Oui. Voilà la collection de ma mère et tout. Par contre les chaussures faut les enlever je pense. Quelqu'un peut. Endroit idyllique, c'est vraiment joli. On n'a pas fait les sports hier, c'est parti. Voilà. Changement de plan. Avec tous les habits là-dedans. Non, je sais pas c'est quoi. Deuxième spot. Je mets ça avec un top parce que c'est. Mets ça avec oui, t'as un top. Bonjour Mathéo, comment vous sentez-vous? Au bout du rouleau. Que pensez-vous du climat ici à Kinshasa? Le climat est aride. Non, il n'est pas aride. Il est humide. Aride, sec. Bert. Sec. Oh, Bert. T'as mon pantalon. Body shaming. J'ai pas voulu la body shaming. Il y a quoi en fait? Vous demandez pourquoi je suis comme ça, c'est parce que j'ai fait le shooting dans l'eau. Je vais mettre la photo là, sur la tête de Priscilla. Voilà. J'ai pas pu filmer tout le shooting parce que j'étais la photographe du coup. Et franchement, les photos ça donne bien. La patronne elle est KO. Le modèle aussi. Les autres modèles ça va. Mais ça s'est trop bien passé et là maintenant on va manger et on fera la deuxième partie après. Je suis cramée du front. Ici, les bras, regardez, je suis toute rouge. Oh, on attend la nourriture et après c'est reparti. Ouh là là, c'est joli. On a tellement bien mangé. On va faire des photos sur les pirogues et quelques petits spots assez jolis. Donc voilà. C'est ma petite sœur. Hein. Hey. Si on reste 3-4 heures dans la voiture, comment tu vas faire? Oh, mais elle était de l'autre côté. Ah, comment tu oses toucher? C'est ma cette patte. Quoi non? C'est son fiac moi qui me dérange. Ah, là, ça me attends, mais elle en a 1, 2, 3, 4, elle a 8 pattes. Elle a 8 pattes. Elle repose en paix. Elle repose déjà en paix, elle est cramée. Allez, amigo, tu as qui? La route, là on va où? Donc là on vient de faire les photos sur les pirogues. Franchement, les photos sont trop. On peut vous les mettre là et là. Voilà. Trop contente. Allez, on repart pour une prochaine destination. Bisous mes loves. Par contre, l'orage là on l'entend, il va bientôt pleuvoir. Faut qu'on fasse vite. Ah ouais, quand ça tombe ici, c'est un seau d'eau. Hein. C'est comme si on ouvre, c'est un seau d'eau sur la tête. Hein. J'aimerais bien, franchement. On va vite boire l'eau de source avant de partir. Et on se taille. On a fini le shooting. C'était trop beau. Combien d'heures de tournage? Ouais, on est resté combien d'heures sur place? C'est ici que se finit cette journée, au parc de la vallée de la MCD. En plus, ça a un sens. Hein. Trop être sous la pluie. Filmé quand on est rentré parce que j'étais KO. J'ai dormi dans la voiture. Là, on est en train de manger. Et on se régale. Voilà. J'ai attrapé un coup de soleil. J'ai trop mal partout. J'ai mal aux épaules, j'ai mal au front. Ici ça va. C'est le nez. En fait j'ai mal partout. Je suis fatiguée. Enlevez vos capsules.
capsule. Ouais, le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a fait? Trop bien. J'ai jamais goûté le vinaigre de cidre. Oui, ben demande à maman, vous avez bien commandé. On va déjeuner. Oh, trop chaud. Nouvelle matinée, nouvelle journée. Non, faut pas faire ça. Regardez comment il fait beau dehors. Allez, quoi. On a trop de chance, on a tout le temps des ciels bleus. On va faire les courses. On a pris quelques trucs pour faire des crêpes, des gaufres, céréales. Ouais, moi aussi j'aime trop les chocolats. Pourquoi y'a pas en Belgique? Pourquoi y'a pas en Belgique? Les chocolats. On a fini les courses, ça fait très cher. Oh, il fait trop beau, c'est trop bien. Maman, elle est arrêtez maintenant, quelqu'un d'important. Hé, là là, les militaires, ils sont en train de nous guetter parce qu'on est juste derrière. C'est les couteaux qu'ils ont là. Ouais. Ah, ouais, ils ont des couteaux et tout. Ils ont pointé une arme sur une voiture parce que la voiture française. Il y avait nos amis. Ouais. La voiture s'arrête. Ouais. Ouais. Ça fait un peu peur, quoi. Regardez vite, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Kenny? La circulation là-bas. Bon, c'est parti pour une séance de sport. C'est parti pour la souffrance. La séance, elle était encore plus hard qu'hier. Genre, comment vous dire qu'on a souffert? On vient du sport, il pleut. On est sous la pluie, on est sous la pluie, on est sous la pluie. Hey guys, we just returned back to the car. Alors on a été au marché et on est revenu et franchement moi j'ai été pour la première fois et c'était très ghetto. J'ai appelé Mani parce qu'elle avançait trop et du coup tout le monde appelait Mani. T'es Mani, Mani, reviens, reviens. Parce que je disais bah non, mais sauf que moi je disais Mani. Et du coup tous les marchands disaient Mani, Mani, reviens. Et du coup après on s'est arrêté pour prendre, je sais pas, les insectes, là c'est quoi, les makelele. Et après quand on a fini, on m'a appelé Mundele, j'ai pas aimé. Du coup j'ai dit non, je suis pas une Mundele. Ça s'est fermé. Oui, oui, parce que je suis désolée, ça c'est pas les blancs. Hein. Moi, étant donné que j'ai peur des oiseaux et tout, il y avait des poules. Il y avait des chèvres en aussi. En hauteur, donc elles étaient à mon niveau. Je sais pas vu, quoi. Mais... Si, moi j'ai vu, j'ai montré après. Franchement c'est bien parce que quand tu vas marcher, t'as un portier, celui qui porte tes courses, t'as ce monsieur qui te dit où c'est pour te suivre, et t'as le monsieur qui garde ta voiture. Après genre, pour payer un peu, il faut sortir un peu. Mais c'est pas beaucoup. Et c'est Kelly qui nous a obligé à sortir de la voiture. Nous on comprend pas pourquoi on reste à l'arrêt depuis je sais pas combien de minutes et en fait la voiture devant est sans conducteur. Oh. Là là, il y a personne. Il est là. Regardez. Ouais, c'est joie. Les seigneurs. Bah, on va mettre besoin à Sima. Il y avait un boisson. Ouais, là, quelqu'un veut ça.
les pauvres. Mais bon, c'est bon. On est sortis. Yeah. Dans le prochain épisode. J'ai été en rupture, Priscilla. Ça se voit que t'es dans un endroit esthétique, quoi. J'espère que j'aurais pas envie de dormir. Il y a des heures qu'il est tombé sur ma tête. Il se passe quoi? Hé, maman, elle a dit pas de Javel.